Ni hao, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de câbles magnétiques. Et ouais, peut-être tu connais pas, mais il existe des câbles. Alors, on va mettre dans le bon sens comme ça. Il existe des câbles que tu vas en mettre comme ça. Et hop, lâcher ton smartphone et c'est magnétique. Tu l'enlèves, tu le remets, il est aimanté. C'est trop génial. Ça existe pour USB type C, ça existe aussi pour micro USB. Bah oui, parce que voir les produits en photo, c'est bien. Mais le voir en vidéo, c'est mieux. Alors, débridez-vous et découvrez tout notre high-tech au smartphone. Après le générique. Si tu aimes les jolis t-shirts, par exemple comme ça, les équipes, bah et le football thaïlandais quand même de Chamburi, Pattaya, on en a plein dans la Geek Shop. Eh oui, je sais, beaucoup ont tendance à l'oublier. Vous êtes dans la Geek Shop, il y a plein de shirts comme ça. Hein. On a Chamburi, on a la Thaïlande, on en a des blancs, on a également des roses et tout de toutes les équipes qu'on a pu trouver en Thaïlande. Dans la Geek Shop, c'est facile. Et en plus, t'as un mode Geek Plus offert par t-shirt. Ouais. Force jaune, eh oui, aujourd'hui on va tester des câbles magnétiques, comme ça. Ah, c'est vrai que ça existe depuis un petit moment, mais je voulais absolument en tester pour voir un petit peu ce que ça donnait au niveau de la qualité, de la finition. Et c'est vrai que s'il y a bien une des choses incroyables qu'aura fait Apple, c'est bien de mettre un câble magnétique pour recharger ses MacBooks. Et oui, c'est simplement un petit câble de charge, en fait, qui est aimanté, donc du coup, vous mettez devant, badaboum. L'intérêt, c'est qu'il est réversible, l'intérêt, c'est que si vous mettez un coup de pied dedans, que vous tirez dessus comme une brute, eh ben le câble se déclipse, ou se démagnétise, et donc du coup il y a beaucoup moins d'accidents. Je veux dire, c'était tellement bien et tellement une bonne idée que sur le nouveau ils ont décidé de l'enlever. Ils se sont dit, ah mais l'USB type C, c'est ridicule, on va enlever ça et tout. Donc du coup on pourra peut-être trouver une alternative avec ce câble. Allez, on commence par notre câble USB type C. Bon, au niveau du déballage, vous avez vu, il y a même un mode d'emploi. Au cas où. Allez, ça va être un câble strong magnétique absorption. Ça veut dire, bah, en fait, le câble, il est quand même plutôt violent. Ça veut dire que vous pouvez soulever. Moi, j'arrive quand même à soulever mon smartphone. Alors, pas avec celui-là, mais alors avec l'autre. C'est le UMI, donc il est quand même plutôt lourd. Et après, j'arrive même à soulever mon smartphone de 6 pouces, qui est quand même, bah, avec batterie, 5000. Hein. Donc, magnétique absorption, ça veut dire que vous allez pouvoir tirer dessus, vous allez pouvoir porter votre téléphone. Ça aimante super bien. La qualité du câble, c'est du nylon tressé. Donc c'est un très joli câble, hein, très quali et tout, c'est pas du plastoc et tout. C'est du nylon tressé, donc ça c'est plutôt bien. Ensuite, il est magnétique, donc ça on l'aura bien compris, c'est-à-dire que vous l'approchez devant, c'est pas mal. Il est également réversible, ça veut dire que bah, dans les deux sens, et comme ça vous êtes sûr de trouver le bon sens. Alors après avec l'USB type C, c'était un peu plus facile à la base, mais là vous pouvez le mettre dans les deux sens, c'est bien. Ça vous permettra la charge, et éventuellement bien sûr la charge rapide, et ça permettra également de transférer la data. Si vous le branchez directement sur votre ordinateur, ça c'est Et enfin, vous aurez remarqué dans le détail, il y a une petite LED de notification sur le connecteur qui vous permet de dire si ça charge ou pas. Alors ça, c'est quand même plutôt génial. Une petite LED de notification, ça fait toujours plaisir. Si votre smartphone n'en a pas, et ben le câble lui, pratique, et Patrick, bien sûr. Donc lui en a une, enfin lui surtout. Après, je sais pas si Louis en a une. Patrick, oui. Alors en fait, vous aurez une notification que vous pouvez mettre directement sur votre smartphone et vous verrez si ça charge ou pas. Ça, c'est quand même plutôt bien aussi. Donc, beaucoup d'avantages. Alors, ce câble en USB type C, ça veut dire compatible avec toutes les normes d'USB type C, dont votre MacBook. Bah oui, je veux dire, Apple, ils auraient mis ça dans la boîte, oh, tout le monde aurait dit c'est génial, mais ils se sont dit non. Allez, le prix du câble, 9,14€. Alors, c'est un peu plus cher qu'un câble normal, en free shipping, envoyé par Banggood, bien sûr, je vais le spécifier. Placement de produit, les placements de produit, c'est quand ils nous ont payé pour ça. Comme ils ne nous payent pas pour ça, parce que j'avais envie de vous le tester. Voilà. Allez, 9,14€ en free shipping, vous le trouverez. Pourquoi 9,14€? Bah parce qu'il est les bouts sont en métal, le nylon tressé, ça on en a parlé au niveau du câble, la qualité, la LED de notification. On a un très joli câble, très quali, et il faut au moins ça pour pouvoir se la péter avec son câble magnétique. Bah, c'est trop génial. Allez, la même chose avec notre câble USB, micro USB. Et oui, qui ne s'est jamais trompé de sens? De trou, oui, mais de sens, non. Alors, du coup, bon, voilà, avec le micro USB, c'est plutôt pratique. Parce que, voilà, si on a eu le micro USB, qui n'a jamais eu ce putain de connecteur à l'envers? Et c'est vrai que sur les premières générations de smartphones, le connecteur était assez fragile. Il suffisait que vous mettiez 2-3 fois à l'envers, comme ça, par inadvertance. Et badaboum, il était niqué, il fallait le changer, le faire réparer. Donc là, c'est plutôt bien. On prend le même et on recommence. Allez, le câble, il est strong de magnétisme. Ça veut dire que tu vas pouvoir mettre ton téléphone directement dessous. Attention, j'y vais. Badaboum, voilà, ça tient. Je vais pas le bouger trop parce que celui-là, il fait quand même 6 pouces. Il est quand même super lourd. Et c'est vrai que si on va comme un barbare, il a tendance... Non, pas encore. Voilà. Il a tendance à... Et bon, là, c'est quand même du carrelage, donc on va pas trop péter la vitre. Ça a été déjà fait. Le câble est en nylon et les connecteurs en PVC. Ça veut dire, bon, plastoc, hein. Simplement. Nylon PVC, ça, c'est pas mal.
En troisième, bien sûr, il est magnétique, tu vas pouvoir le mettre sur ton smartphone. C'est génial, c'est vraiment génial. Vraiment, je kiffe un peu le dossier. Vous allez pouvoir le mettre sur votre téléphone, c'est magnétique. Et c'est également, bien sûr, là pour le coup, ça devient réversible. Parce que la connectique, oui, vous allez pouvoir après la mettre dans un sens et dans l'autre. Et là, vous aurez vu, celui-là a deux LED de location, une de chaque côté. Ah ouais, petits détails qui font la différence. Il est compatible charge rapide jusqu'à 5 volts et 2 ampères. Alors, on parle pas des 9 volts et des 12 volts qu'on a vu sur les derniers smartphones, mais 5 volts, 2 ampères, c'est sûr. Et il permet bien sûr de transférer la data également. Et vraiment, l'intérêt, c'est que votre connectique micro USB devient réversible. Oh, et ça, c'est juste génial. Bon, on parlera quand même dans la boîte, il y avait quand même une petite boîte dans laquelle on pouvait trouver le connecteur. Je sais pas ce qu'on pourrait faire de cette petite boîte, mettre une petite pilule par exemple. Bah ben voilà, comme ça pour pas oublier tous les soirs. Voilà, on a bien une petite boîte, bon c'est le petit détail. On parlera quand même un petit peu du prix. Ce câble nous est envoyé par Banggood, bien sûr, pour la maudite somme de 9,87€. Alors il est un petit peu plus cher que l'autre, je sais pas pourquoi, parce que à mon avis, voilà, c'est plus compliqué avec la micro USB. Bon après, moins de 10€. Après, il existe de nombreux câbles, de nombreux fabricants. Nous on a choisi ces deux-là parce que vraiment, le nylon tressé, ça c'est classe, la LED de notification, le câble qui est plutôt quali, l'autre qui est en métal, ou celui-là qui est en plastique, et je me demande si. Non, celui-là il est en. Alors, rien qui est en métal. Là il est en plastique et là il est en métal. Bon après, ça c'est pas vraiment intéressant, et la possibilité de le mettre en magnétique, c'est vraiment juste génial. C'est vrai que si vous avez l'occasion de passer une commande, profitez-en pour ajouter un câble avec ça. Ça va pas vous changer la vie, mais ça va vous changer la vie, mon avis pour de vrai. Et puis sinon, bon, si vous êtes content de votre câble, oui, mais vraiment pour la micro USB, c'est vraiment juste génial et ça évite de la mettre dans le mauvais sens. Nom de Dieu. Allez, comme toujours, si t'as aimé cette vidéo, tu peux me soutenir quand j'ai 3 R, le R de cher, en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Google+. Le R de commentaire, en me laissant un commentaire sur cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce câble magnétique USB. Ah, c'est trop génial. Vraiment, c'est vraiment. Moi, j'aime bien. Voilà, après, est-ce que c'est trop cher, pas assez cher? Tu me diras en commentaire. Et enfin, comme toujours, si t'as aimé cette vidéo, pouce en l'air. Si t'as pas aimé cette vidéo, pouce en bas. Et je t'ai vu, je change de main, tout quand même, à chaque fois. C'est le métier. Voilà, tu mets un petit pouce. Enfin, vous aimez ces vidéos. Moi, je trouve ça génial. Après, je veux dire, Apple, Newham, c'est Apple qui l'a inventé. Oui, mais Apple, ils ont arrêté. En même temps, c'est tellement bien qu'ils l'ont arrêté. Donc, c'est normal que les fabricants reprennent ça un petit peu à leur sauce. Et c'est vraiment bien. Et enfin, comme dirait ta mère, t'en loupes pas une, n'hésite pas à t'abonner en cliquant en bas à droite sur ma gueule. Et pour être sûr de recevoir bien une notification, un email, un push, une petite notification directement sur ordinateur à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, n'hésite pas de cliquer on the bell. Bien sûr, clique sur la cloche, comme ça t'es sûr de recevoir et tout. Alors sur le smartphone, c'est violent. Tu cliques, bam, bam, je publie, tac, sur le smartphone, ça clique en disant ouais, GLG a mis une nouvelle vidéo, va vite la voir. À savoir qu'on a trois chaînes, on a GLG Review en français, GLG Vidéo en anglais et WTS by GLG ou What's the Stuff by GLG, où là, on fait plutôt un vlog moto, découverte, nature, hein, Thaïlande, Chine et un peu partout, et bientôt le Vietnam, on vous en parlera prochainement, peut-être la Corée, on hésite, on verra lequel qu'on fera les deux, mais ça sera sur WTS by GLG, le lien dans la description, c'est facile. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, moi je donne rendez-vous demain ou après-demain pour une prochaine vidéo, review, high-tech, smartphone, moto, avec trois chaînes, là, c'est sûr d'avoir quasiment une vidéo tous les jours. Mais prospectez, allez, je vous kiffe, bye bye. Réversible, magnétique, nylon tressé. C'était je suis un super héros. Non, c'est vraiment génial, c'est trop bien. Je vais le laisser là-dessus, déjà ça évitera voilà, d'abîmer la connectique. Même sur les smartphones de marque, ça va. Sur les premiers smartphones chinois, c'est vrai que c'était un peu fragile, mais maintenant ça va vraiment mieux. Tu le laisses dessus, comme ça tu charges, mana, tu mets dessus, balaboum, ça charge l'éducation. Ouais, c'est trop génial, voilà. Si t'as déjà un câble comme ça, bah laisse-moi un commentaire. Si t'en as pas déjà et que t'aimerais bien en avoir un, laisse-moi un commentaire. Si tu n'en veux pas du tout, laisse-moi un commentaire. Et si tu sais pas quoi faire, laisse-moi un commentaire. Allez, fais prospecter, bye bye.